bien, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ce jeu qui me fait penser à Travel Rest ou Wilk and Jill, un truc comme ça, Wilk and Jill. Vous verrez sur mes vidéos, c'est difficile à prononcer, mais en tout cas voilà, ce sont des jeux où vous gérez une taverne. Alors il y en a un qui est plus en 2D, qui est Travel Rest, où vous brassez de la bière directement, vous pouvez... C'est vu un peu plus de haut. Et puis vous en avez un qui est Wicked Joe, qui est en un peu semi 3D, un peu incliné, où vous pouvez aller faire votre maison un petit peu comme ça. C'est-à-dire vous allez faire votre implantation avec les murs, tout ça. Et voilà, il y en a encore un autre aussi, où je ne sais plus comment il s'appelle, et où vous avez carrément une map. Et ben non, je crois que c'est Wilk & Jill. Vous avez carrément une map et vous allez cliquer sur un endroit et votre livreur, enfin je sais pas, il y a un voyage et tout, et il vous emmène les fournitures à vous quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Je mettrai les titres bien entendu des trois, alors il y en a trois autres je crois de jeux qui sont dans le même genre. Je mettrai exactement les titres en dessous la vidéo, ce qui vous permettra de voir un petit peu les autres aussi. Alors celui-là, je pense que la différence, c'est que lui, on peut mettre des prix. Voilà, sur les autres, on peut pas mettre de prix. Là, ici, oui. Je n'ai jamais joué à ce jeu, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, il y a un sandbox ou une nouvelle partie. Ah, on va faire une nouvelle partie, un sandbox. On va peut-être le faire dans un deuxième temps, dans la même vidéo. Je vais essayer. Je sais même pas si la vidéo enregistre ce que je fais d'ailleurs. J'ai un petit peu de mal à des fois à enregistrer les jeux. Alors on va faire nouvelle partie, on va voir, il va peut-être nous expliquer quelque chose. J'ai coupé bien entendu le son, nous sommes en qualité moyenne. Donc voilà, ne pensez pas que le jeu est à son maximum. Je mets toujours un peu plus bas que, voilà, je mets jamais à fond. Alors, détente, il est plus facile de gagner de l'argent et les catastrophes sont beaucoup moins dangereuses. Tout est équilibré, c'est ainsi que le jeu doit être joué par défaut. Ok, on va prendre comme ça. Alors, bienvenue dans votre taverne, vous serez en charge de la gestion et de la croissance de votre entreprise. D'accord. Jetez un coup d'œil autour de vous et déplacez-vous avec ZQSD. Ok. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Oui. Ah. Alors ça, on peut pas le faire sur les autres par contre. Voilà. C'est un petit plus. Ah, il y a un château. C'est un petit plus. Voilà. C'est toujours bien d'avoir ça. Pourquoi c'est ouvert là, ici en fait? Bizarre. Ok, la taverne ressemble pas du tout à une taverne, il manque un mur, bah oui, réparons cela, d'accord, c'est parti du tuto. Alors on clique là, ok, on passe en mode machin, on prend ici, ça coûte des sous, et on fait ça, bon c'est facile, ça va. On va mettre une porte, alors on peut la mettre où on veut, ou non, là, on n'a pas le choix. Ok, c'est quoi ça? Ah, une fenêtre. Du coup, on va mettre la fenêtre là. Suivant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, table et chaise. Alors là, ici, c'est 4-4. Ok, on en reprend une. Ok, donc on tourne avec quoi? R? Non. La molette. C'est X. Alors, X et W. Alors, W, c'est là peut-être? Non, je sais pas. Bon. Comment on peut faire tourner? Achetons une table. WX, non, ça marche pas. Pour la mettre en rotation, non. Le X, je l'ai là, mais ça marche pas. Donc on va la mettre comme ça. On la met OK. Avertissement, vous avez placé cet accessoire dans la mauvaise position. Ah, d'accord. Bon, c'est quoi le truc? Ah, c'est ici. Voilà, d'accord. Donc il y a deux cases d'écart. Et il faut peut-être les places maintenant. Et on prend les bancs. D'accord. Ah bon? Oui. Attends, ah oui, d'accord, ok. Ça marche. Ok. Pour savoir exactement comment une taverne est éclairée, vous pouvez cliquer sur la case afficher la lumière. D'accord, ah oui, ok. Donc du coup, on voit qu'il manque de lumière. Donc lumière, ici, et on va mettre ici, là, la lumière. Voilà. À côté, sur un pilier, putain. Ok, ok, pas de problème, hein. Ok, pas de souci. Donc là maintenant on fait ça.
C'est quoi le truc pour acheter de la bière à cliquer ici? D'accord, ça m'a l'air les plans de caméra, c'est pas mal. Donc on achète un baril. Et c'est quoi? Pour servir de la bière, nous devons d'abord remplir le baril. Cliquez sur la barre. Ouais. Remplir. Attends. Remplissage à national, d'accord. Ok. C'est marrant. Donc là, c'est bon, c'est rempli là. Ah, il y a de l'eau et de la bière, ok. Ensuite, on fait ça. Bravo. Nous avons maintenant un endroit où les gens peuvent s'asseoir et. Ok. On va embaucher quelqu'un, donc c'est ça. Donc on clique là. Embaucher. Ouais, c'est dans le même principe. Barman. Alors, je choisis qui je veux ou c'est quoi le truc? Donc, salaire 5. L'humeur diminue lentement, enfin de 20%. Peut porter 8 boissons en même temps. Ouais, c'est bon, c'est pour lui. Voilà. Embaucher. Ensuite. Ah, une serveuse. Alors, serveuse. Peut porter 8 boissons. Parfait. Voilà. Embaucher. Ah non, c'est bon. Attends, il me dit quoi? Il me dit c'est bon. Voilà. Ok. Rechercher quoi? Nous avons préparé tout ce qu'il faut pour que les clients commencent à venir. Avant de relancer, il est temps. Le temps, voyons comment vous pouvez débloquer le nouveau élément pour la taverne. Cliquez. Okay. Ah oui, c'est un arbre de compétences. Les mises à niveau sont acquises en servant de différents types de. En servant les différents types de clients, ok. Vous pouvez voir le coût de la recherche. Ok, d'accord. Donc là, commencer la recherche. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça roule. Le nombre de clients par jour vous indique combien de personnes entreront dans votre taverne. Ok, d'accord. Ok. Donc là, c'est dommage qu'on n'ait pas de musique. Donc là, elle veut quoi? Je clique sur elle, c'est ça? Non? Licencié? Ah non, c'est là. Putain, c'est là. Alors, et comment ça se passe? C'est eux qui. Ah, c'est eux qui font. D'accord. C'est pas moi qui. Ah oui, c'est lui qui. Ouais, c'est excellent. Il lui donne un LSR. Ok, ça tourne. Donc là, je peux faire ça ici. Posséder 4 tables. Donc là, j'ai. Ah, il faut des tables encore. Donc j'imagine que lorsqu'ils vont partir, je vais mettre rajouter deux tables en fait. Là, je sais pas ce que c'est ça. C'est ce qu'on gagne, je pense. Ouais. Posséder 8 bancs, j'en ai 4. Terminer n'importe quelle recherche. Ouais, ok, d'accord. Donc recherche, limonade, client, musicien. Ah, des musiciens, ouais, trop bien. Ah, je peux pas. D'accord. Okay. Attends, à recherche, on peut passer comme ça? Ouais, ça va, hein, c'est tranquille, hein. Ça va, c'est cool. Ok. Donc là, je vais pas le faire. Putain, par contre, c'est bien fait. Et je suis en qualité, je suis en moyen. Hein. Je suis pas en haute qualité. Hein. Il y a une elfe, c'est trop bien. Ah, et bien, alors je l'ai pas payé cher le jeu, c'est pour ça que je l'ai acheté, il était en promo. J'ai profité de le prendre. Et regardez les textures, ça va, hein, c'est cool. Hein. Ça se laisse voir hein. Derrière et tout. C'est excellent, c'est excellent. Ah, putain, c'est excellent. C'est trop bien. Ok, il faudrait plus de fenêtres quand même. On voit à travers les fenêtres ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que je peux travailler et du coup, alors comment ça se passe la journée là? 19 clients, ouais. Donc je vais débloquer un truc là qui m'a marqué. Attends, oui. Et pas des clients là? Non. Ok. Ça c'est quoi ça? Ah, je mets en pause comme ça. D'accord, et combien j'ai d'argent là en fait? 282. Ok. Ça roule. Donc du coup je peux acheter un petit tapis, un petit truc. C'est très sympa. Ok. Et là du coup je peux mettre des tables alors. Mais alors je peux le faire pendant que. Enfin, c'est bizarre. Ok, ça me va. Hein. Donc on va mettre ça ici. Là, tant qu'à faire. Voilà.
Et on va prendre des places. Hop. Là. 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 Quand vous n'avez pas assez d'argent. Ah oui, bah, il fallait que ça arrive. Hein. Bon, bah dans ce cas-là, on fait ça. Et dans ce cas-là, celle-là, on va la vendre. Voilà, on va laisser comme ça. C'est très bien. C'est bien là, oui. Ok. Est-ce que je peux mettre un peu de décoration? Putain, c'est cool. Comme il me reste 91. C'est trop beau. Ah, je peux faire une cuisine et tout après. Eh oui, parce que oui, bien sûr. Des jeux, d'accord. Trop sympa. C'est trop sympa. Décoration, une petite plante. Comme il me reste 91, tiens, je mets des rideaux. Tant qu'à faire. Voilà, c'est bon. Donc du coup, est-ce qu'ils vont venir ici aussi? Ah ouais, en direct. Ah, mais c'est classe. Trop classe. J'ai pas besoin. Alors, dans certains autres jeux, donc notamment Wilk Engine, vous devez acheter les pots et les pots et les tasses, enfin les verres et les assiettes. Voilà, les couverts, on va dire. Et vous achetez aussi la bière, là, c'est bon, j'en ai. Là, c'est bon, bière, j'en ai. Il est un peu plus facile dans ce que les autres jeux, hein, par contre, lui. Hein. Ici, c'est quoi, là? On fait quoi? Ah, là, on achète, ok, d'accord. Donc là, je peux remplir un baril. Okay. Voilà. Dans les autres jeux, en fait, c'est pas comme ça. Il y a un stock. Et il y a un autre mec qui fait qui est gestionnaire de stock, il y a un autre mec après qui sert, ouais je crois. Et il y a un serveur et ouais, mais c'est pas comme ça, le stock n'est pas là. Il n'y a pas de stock en fait. C'est trop bien. Donc on peut cliquer sur la personne. Ah, on peut pas savoir qui c'est, d'accord. Donc elle, on va la augmenter peut-être. Non, attends, elle est où la fille là? Elle est où la serveuse? Elle. Voilà. Alors elle a fait le boisson, nettoyage, aliments, hôtel. D'accord. C'est quoi? Ah, la priorité. Alors le nettoyage, oui, mais enfin le nettoyage, on va le mettre en second. Les aliments pour l'instant non. Hôtel pour l'instant, elle s'en occupe pas. Et à emporter, elle fait les plats à emporter. Ouais, ok. Et ok, les aliments là, le nettoyage, on va faire comme ça. Et ça, c'est quoi? C'est quand elle gagne des trucs salaires, on va lui mettre un petit peu plus de salaire. Voilà, ça c'est bien. Et lui là, salaire 5, on va lui mettre 6. Voilà aussi. Voilà. Et ça continue comme ça, c'est cool. Ah ben voilà, c'est ils partent là, non? C'est nuit dehors, c'est ça? Ok. Est-ce qu'on peut changer le nom? Oh putain, c'est excellent. Comment on peut appeler ça? On va appeler... On va l'appeler comme ça. Ok. Clients en colère. Total des clients en colère sont partis 0. D'accord, ok. On a fait 17 servis. D'accord, d'accord. Bien. Donc là maintenant, je ne sais pas ce qu'ils font. S'ils vont chez eux ou quoi, j'en sais rien. Qu'est-ce qui. C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a augmenté. Ah, elle a augmenté. Elle a augmenté quoi? Salaire 13, oula, on n'est plus à 6 là. Bah oui, niveau 2, mais enfin 13, ça fait beaucoup quand même. On était parti à 6, voilà. Faut pas non plus exagérer. 9, c'est bien. Et Isaac, on va lui faire 8, voilà. Merci, pas non plus déconner. Pourquoi elle est pas contente? Je sais pas, il y a un truc. Ah, on peut là. On peut la renommer, c'est ça? Non, Maria, c'est bien.
Ah, elle a des. Il faut la. Ok, vitesse. Vitesse. Je crois qu'il y a. Voilà, vitesse en transportant. On augmente la vitesse de transport, ok. Bien, pas mal. Bonne vue du jeu. Commencer le jour suivant, ou alors on peut faire des recherches. Alors j'ai 48 de. Ouais, on fait rien du tout. C'est comment? Après, on peut, voilà, on peut très bien faire ça et mettre une à 100 dollars pour ça. Peut pas. Ça coûte cher. Texture de sol, d'accord. Spécial, c'est quoi? Ok. Bon, on laisse comme ça. C'est bon? Allez, go. Ah, on est bon là. On est bon. Après, je pense qu'on peut s'agrandir, hein, mais je sais pas encore. À moins que non, je sais pas. Ils foutent rien ou quoi là? Y a pas de son? C'est quoi l'histoire? Y a pas de son. Attends. Paramètres, audio, de la foule, effet sonore. Vidéo, vous voyez, voilà, qualité moyenne, c'est bon, ça suffit amplement. Ah, on peut faire une truc photo, d'accord. Apparemment, de la bière, on en a largement. On va accélérer, je peux, ouais. Parce que là, franchement, c'est un peu long. À mon avis, avec un peu de musique en fond, c'est un peu mieux quand même. Et là, bon. Icône de la serveuse, icône barman, icône du chef, zone accessible, d'accord. Donc là, elle va aller un petit peu plus vite. Revenu total 26, moins 26. Ah, comme il fait jour, il fait beau, il y a 10, plus 10% d'invités en plus. Ok, j'ai bien fait de mettre une table là. 30, on fait pas trop de recettes. On peut pas changer les prix là de la bière? Il semblait que oui, tout remplir pour 20. Non, 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 c'est bon. Ah, on peut acheter un autre baril là, d'accord. Ok. Recherche. Limonade ou des musiciens? On va faire limonade. Ah, attends. Ah, il recherche la cuisine là pour l'instant. Il n'a pas fini encore. D'accord. Ok, ça roule. Donc là, pour l'instant, la cuisine, je vois pas où je la mettrais là. Donc là, je pense que si on peut reculer un peu, oui. La cuisine, alors je la cuisine jamais là, mais bon. On peut faire des murs carrément, des construire. Attends, construire. Ah, construire, oui, carrément, on peut faire des murs. Mur, ok, mur, texture de sol. Peut-être qu'on peut. Oui, on peut sortir de. Ouais, alors si ça devient sale, j'embaucherai quelqu'un pour nettoyer. Là, on fait un peu d'argent, vous voyez, je vais avancer. Là, c'est bien, on peut passer, on vole ce qu'il nous reste. C'est pas mal. C'est plus simple hein, que les autres. Hein. J'ai gagné un succès. Alors c'est quoi? Instruction de cuisine. Ah, je peux faire une kitchen avec ça. D'accord. Après ça va. Félicitations. Ah, il m'a donné 800 d'argent. D'accord. Alors attends. C'est normal. Alors kitchen, c'est là. Là, je fais kitchen, donc cuisine.
Du coup, je suis au même endroit. Donc là, il y a ça. Alors, est-ce que je peux le... Ah, voilà, enfin. Donc là, je vais mettre ça là. Je sais pas, pour l'instant, on va faire un truc comme ça. On verra bien après. Est-ce que ça marcherait si je prends ça, c'est un comptoir, c'est ça? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est les gens qui viennent manger. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, un comptoir, et ça c'est une caisse. Ouais, c'est un comptoir, donc c'est pour venir manger. Donc là, on va le mettre là. Je sais pas, hein, je fais ça comme ça. Et une caisse, mais c'est une caisse pour quoi? Pour les... Bon, on va mettre ça. Ah putain, merde, j'ai pas de place. Pardon, je dis des gros mots en même temps. J'ai juste là. C'est les limites. Voilà. Alors attends, est-ce que je peux... Ouais, est-ce que je peux faire ça? Ça, on va la... Attends. Voilà. C'est mieux. Ok. Donc du coup, il va falloir que je commande, que j'embauche un... Attends, du coup, je peux mettre là, en fait. Ça, j'avais mis ça pour cacher un peu. Du coup, ça, je peux mettre ça là. Ou alors... Attends, j'ai peut-être une idée. Ça comme ça. Et ça, je le mets là. Ok. Et ensuite... Comptoir, c'est quoi? Ah, c'est les cuistots là. Et là, c'est le serveur. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Donc là, ils prennent les choses d'ici. Donc du coup... Ouais. On laisse comme ça. On va décaler un peu. Voilà, ça c'est bien. Là, donc là c'est un cuistot et là c'est les mecs qui servent. Et donc les mecs vont manger ici. Alors ce qu'on va faire, c'est on va embaucher. Comment on fait avoir le personnel embauché? Voilà, je veux un cuisinier. Barman, chef. Vitesse, marche. De marche diminue. Recevez de bonus à chaque soupe servie. Ah, si on sert de la soupe. Allez, on prend lui, je m'en fous. On prend lui et il me faut un serveur aussi. Non, une autre serveuse. On va prendre. Obtient un pourboire à chaque. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc, Isaac, lui, il a monté un truc. Donc là, je vais pas le faire monter. Enfin, il va monter, il va demander un salaire 8 et 7. 15. On va descendre un peu. Pas chez mémé. Et on va lui mettre vitesse sans rien transporter, transport, verser les boissons. Voilà. C'est bon. Donc là il y a un cuistot, donc lui il est bon, on va de suite l'augmenter un peu. Alors il fait dessert, plat, soupe. Alors on va faire d'abord les soupes et les plats principaux comme ça, et les desserts on va lui faire mettre, on va faire en, sinon il va pas s'en sortir. Ok, la serveuse elle va arriver, à moins qu'elle soit déjà ici, c'est elle la serveuse, non? C'est la deuxième, donc elle, on va la mettre à 6. On va l'appeler... Ouais, bon, je sais que Madeleine, c'est ça. Alors, elle, c'est emporter, ouais. Hôtel, on s'en fout. Aliments, elle apporte les aliments. Nettoyage, elle en fait... c'est pas son truc. C'est pas son truc. Et les boissons, oui, elle les sert. Voilà, aliments à emporter. Emporter, on fait en deuxième. Parce qu'il y en a une autre déjà qui fait ça. Ok, j'imagine que là... Ah, c'est la journée est finie. D'accord, client colère, on s'en fout. Il y en a eu ou pas? Non, il n'y en a pas eu. Ok. J'imagine que là, on va acheter... Oh putain, d'accord. Alors, si je clique... Ok, c'est génial. Alors là, on va acheter donc... pour des soupes, on va prendre plutôt des légumes. Acheter 1 ou acheter 20. J'ai combien? 564. Non, on va acheter... ah oui, mais attends, il y a des petits pois et tout.
Pour une soupe, on va prendre. Bon, on va faire. Oh là là, comment je fais? 80, ça me fait 80. Parce qu'il faut les recettes aussi après. Des petits pois, des jambons, des noix, des fraises, coco, fromage. Il n'y a pas les prix là, il n'y a pas les trucs, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être pas encore, ouais. Alors, il faut que je prenne tout ça. Total 480, je prends, si je prends tout ça. Du blé, qu'est-ce qu'il fait avec du blé? Bon, je prends tout, allez. On s'en fout. Ok. Donc là, j'ai pris ça. Je peux pas. Je sais pas si je peux prendre tout, quoi. J'en sais rien. Du coup, on va décorer un poêle. Ici, ça va être les serveurs. Ici, on va cacher un peu. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Décoration. Il n'y a pas un paravent ou un truc dans le genre. Oh putain, il y a des tableaux et tout. C'est excellent. C'est super beau. Des lumières, du coup, on va en mettre une là. Ah oui, non, il faut. Voilà, ici, ouais. Pas d'or, là, elle est dedans. Ah, il y en a déjà une? Il y en a déjà une, c'est bon. Spécial, non. Décoration. Je serais tenté. Une cheminée, ah, c'est trop cher. C'est quoi ça? Une bannière. Une tasse, ah, tasse au mur. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal ça. Regarde un peu là, ici. Ouais. Quoi d'autre? Une tête de 500 balles, misère. Donc là, ouais, 75 ici. Off. Faudrait un truc qui fasse un peu cuisine. Ouais, ben ça, hein. Du coup, ça, hein. 75, ouais, mais bon, dépenser 75 pour ça. Place, on s'en fout. J'ai plus de place de toute façon. Ouais, j'ai plus de place, hein, non, j'ai plus de place. Voilà, bon, il faudrait déplacer les tables. Alors attends, est-ce que je peux le faire ça? Si je fais ça et que je le mets ici, je gagne un peu, ouais. Ça, ça ici. Là, je mets ça ici. On va mettre lui là, par contre. Et ici, on va décaler ce truc, le mettre là. Génial. Ce qui me fait gagner de la place ici. Et donc du coup, donc là c'est les chefs, ils servent. Du coup ici je peux mettre même une petite table. On va faire table. Alors, à 70 heures, si. Ouais, j'ai carrément la place. Je la mets là. Ça coûte cher ça. J'ai encore. Oh putain, j'ai plus d'argent. Oh mince. Un banc, ça coûte combien? 50. Non, j'ai carrément plus d'argent. Alors on va la vendre. J'ai pas d'argent. On va alors. Ah, on peut les déplacer. Donc elle. Ah, oh, c'est génial. Elle, oh putain, mais c'est génial. Attends, c'était qui elle? Putain, je sais plus qui c'est. C'est qui elle? Je sais pas qui c'est. C'est Marlene, normalement, Marlene ou. Alors elle c'était celle-là, elle c'est celle-là, ok. Donc c'est cool. Lui il est bien, là, c'est parfait. Alors lui on va le mettre au milieu, au moins il est tranquille. Elle ici. Et là on est bon, voilà. Go. Et on fait journée suivante. En la recherche, j'ai pas de sous, donc. Ah, si. Ah, l'étape, posséder 4 tables. Là, j'ai gagné, ça me fait des. Ah oui, d'accord, je gagne des trucs. Changer le nom de la taverne, terminer n'importe quelle recherche, posséder 8 bancs, non pas encore. Et du coup, ça me fait quoi alors? Ça le cadeau? Ah, j'ai 7, donc après je m'achète des trucs qui sont là. Avec de l'argent de la réussite, en fait, je m'achète des trucs. C'est cool. Ah, je pourrais avoir un Marion, d'accord. Serveuse élite. Ok, jour suivant. C'est moins compliqué que mettons Wilkenjin.
où en fait on doit carrément aller prospecter les bâtiments sur une carte, cliquer, voir ce qu'ils ont en prix et prendre le moins cher ou pas. Et voilà, on fait pas les on refait pas les prix, mais on prend plus cher ou moins cher. Mais c'est plutôt pas mal. Et là, c'est plutôt plus simple en fait. Ouais, c'est plus simple. Là, on commande directement ici. On commande même pas sur une carte ailleurs. C'est top. Tiens, mais il n'y a pas de son par contre, bizarre. C'est une tarte, hein, c'est excellent. C'est joli, en tout cas, c'est mignon en tout cas. Voilà. Je prends une photo. Voilà. Mignon. Et une bonne sœur. Donc là, on devrait. Il y a un bourreau, quoi, carrément. Alors lui, il fait cuire rien en fait, il fait cuire avec rien. Alors que. Attends, on va mettre pause. On ne peut pas faire pause, non. On va baisser un peu le son. Ouais, je disais que dans Weekend G, il faut, pour faire ça là, il faut commander des plats donc ailleurs. Il faut commander un four. Il faut couper du, il faut avoir du bois. Il faut faire chauffer les plats. C'est pas aussi simple que ça, hein. Là, c'est plus simple, hein. Par contre, les personnages, ils sont super sympas. J'aime beaucoup. 99. Donc là, je peux regarder ce qu'il a, ce qui lui manque, peut-être. Ça, j'espère qu'après, je pourrai faire un truc. Donc là, je l'ai mis au dessert plutôt en fin et les soupes, parce qu'en soupe, je gagne beaucoup plus. Parce que la serveuse, elle a un pourboire à chaque fois, il y avait marqué. La serveuse, elle est où d'ailleurs? Elle est là. Tu vois, s'il y a marqué pourboire, elle a des pourboires sur les soupes en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis les boissons en premier, aliments. Voilà. On peut faire hôtel apparemment après. Ah, c'est cool, hein. On a toujours de l'eau et la bière. Voilà. Ça, c'est ouais, c'est pareil. Je clique là, en fait, on va. Ah, j'ai pris l'argent. D'accord. D'accord, j'ai pris de l'argent là. On va laisser faire. Okay. Est-ce que la cuisine, je peux rajouter quelque chose de spécial? Non. Pourquoi? Ah, objet. Cet objet est verrouillé, d'accord, ok. Spécial là. Lumière, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, un instincteur, pas con. Ouais, je vais le prendre parce qu'ils disent que dans le jeu, il y a des soucis, alors on va le prendre l'instincteur. Voilà, il y en a un. Je préfère l'avoir plutôt que pas l'avoir. Ouais, parce qu'en fait, il y a des événements qui vont arriver. C'est pour ça. C'est quoi ça? Les étagères. Ok, bof. La cheminée, elle me plaît, hein. Ah, les prestiges. On peut payer en prestige. Alors, on peut payer en points, en argent, ici. Et là, j'ai 260 de prestige. Je peux acheter un ou l'autre, en fait. D'accord. La marine avec des rouleaux. Exemple, ça, je peux le payer en prestige. Il n'y a pas une pendule, hein. Et un squelette. C'était pour Halloween, ça. Une recherche, on peut débloquer. Donc là, on a débloqué le truc. En limonade, client, commencer la recherche ou alors des musiciens. Je vais prendre des musiciens. C'est marrant. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, j'ai acheté un instincteur. Ah bah tiens, j'ai débloqué un truc.
Est-ce qu'on en a? Alors là, je peux prendre l'argent direct. Voilà. Et la bière, et ça va pour l'instant. Je peux encore. C'est super beau. Oh, je connais trop cette ce skill. J'aurais aimé mettre un mur ici avec une porte, enfin fermé là, ou je sais pas, non pas là mais ici, mettre un truc. Je vois pas où c'est ça là, parce que dans d'autres jeux ça salit plus vite hein, par terre. Et du coup ils sont heureux hein. Putain, ils viennent du château. On va voir s'il me reste des à manger là. Ah voilà, on a ici ce qui reste. Alors apparemment du blé, vous avez au total 40 blés. Ah oui, ça diminue comme ça en fait. J'ai compris. La viande apparemment, il n'y a pas trop de... Et les stats, il y a des stats, non? Ah, les menus, putain, j'ai même pas vu, putain, malheur. Ah, voilà, c'est là le prix. D'accord. La tarte. Pain cerise, oh, putain, c'est excellent. Rouleau à la crème. Corbeille de fruits. Gâteau. Au menu, ah, c'est au menu. C'est excellent. Événement, c'est quoi ça? Gâteau à la fraise. Avertissement terminé. D'accord. Ah, on peut faire des événements sur des menus. Cool. Comment on fait à changer les prix, par contre? Pain. Alors on voit les détails. Rouleau à la crème. Non, je n'ai pas compris. Ah, on pourra. J'ai compris. Le menu. J'ai compris le menu. Donc le menu, on fait tarte aux pommes. Oh, attends, enlève les rouleaux à la crème, voilà. Attends, au menu. On va pas mettre, on n'a pas ça, on l'a pas. Donc tarte aux pommes, c'est pommes, j'en ai pas. Donc on fait ça, pommes tu l'enlèves. Non, si j'en avais. Les pommes, j'en avais. Donc tarte aux pommes, rouleaux à la crème, ils sont partis. Corbeille de fruits, je sais pas si j'ai ces deux pommes. Après, il y a le plat cuisiné, c'est du pain. Du pain, ouais. Et après, la soupe. Ah, les soupes, j'en ai pas. Alors, pour l'instant, je peux rien faire. J'ai pas de soupe. D'accord, j'ai compris. Donc, du coup, ben, on propose corbeille de fruits. Et gâteau à la cerise. Tarte aux pommes, rouleau à la crème. Pourquoi je... Ah non, il faut les mettre comme ça, voilà. Au menu, voilà. Je propose des desserts, en fait. Des desserts, et le plat principal, c'est du pain. Bon. C'est un début, hein. Après, il faudrait un truc sur les soupes, en fait. Est-ce qu'il y a des clients pas contents? Non, tout va bien. Ok. Apparemment, les plats vendus, c'était... eh bien, ils disent pas. 56 boissons. Ok, donc elle là, on va un peu l'accélérer, non, c'est... elle a rien, si on peut l'accélérer, donc elle est à 6 et 7, ça fait 13, ouais, 13, on va la mettre à 12, et on va augmenter, pour les pourboires, non, vitesse, transporteur, voilà, on va augmenter la vitesse, super, elle,
Ça fait 16, on va la mettre à 15 et c'est tout. Et ça, c'est ça n'arrête pas de monter en fait. Commence un peu à faire cher. On va la mettre à 14 et l'autre on va la mettre hop à 11. Et lui là, il vient d'arriver. Ça fait 13 aussi. On va le mettre à bon, c'est le chef, on va le mettre à 12. Non, attends, le chef il gagne plus. 14. Chef il gagne plus. Alors apparemment on a les desserts, donc favorise les desserts, les soupes tu feras après. Et le plat principal tu le fais comme ça, voilà. Parce qu'on a que des desserts de toute façon maintenant, pour l'instant. J'ai gagné, oh, 375, j'avais pas vu. Donc, comment on va faire là-dessus? Est-ce que je peux caler des tables ici, moi? En fait, faire comme ça plutôt. Attends, j'ai une idée. Ouais, j'ai une petite idée. Ça, on va la mettre là pour l'instant. On va faire un truc. Attends. Changer un peu le truc. Ça, tu fais X. Ici. Alors, ça, on va mettre ça là. Ça là. Ça ici. On va gagner de la place. Ça ici. X. Ah oui, ça gêne un serveur. Ouais, bon, c'est pas grave. On va essayer quand même. Ils sortiront par là-bas. Et ça ici. Ok. Là c'est bien. Là ça laisse le champ libre. Il peut servir là en venant. Et ça, on va le mettre. Du coup, ça va pas gêner. On va le mettre dans le même truc. X. On va le mettre comme ça. Bon, on aura la place là. Un ici, un là. Et ça ici. Voilà, moi là elle vient, elle sert tout le monde comme ça. Je peux même rajouter encore une table cette fois. Hop, ça c'est bien. Ah non, oui je peux. Ouais, carrément. Ici. Ça fait 70, hein, ouais. Par contre, il ne nous demande pas si on peut, on veut acheter en avec le prestige ou pas. C'est ça qui est un peu bizarre. Place. Voilà. Donc là c'est bien, on va laisser, parce qu'elle peut plus passer la femme là, on va laisser, attends, bon, voilà, on va faire, toi tu vas te mettre là, ici, qu'elle passe, voilà, donc là elle peut passer entre les deux là, si elle peut pas, on va, ouais elle va pas pouvoir à tous les coups, alors attends, on peut, ouais on peut, on va faire ça, bon, ça lui laisse une marge. Voilà, moi elle peut passer là. Et elle fait donc là il y a les 4. Ça on est bon. Ensuite les bières. On va pas les vendre, non. On va remplir les bières. Alors, normalement on remplit les bières, tout remplir. Voilà, merci. C'est bien. 145, ok, ça c'est cool. Les à manger là, qu'est-ce que. Ok, du blé, on va en racheter encore un peu, voilà. Je peux pas acheter autre chose, hein? Non. D'accord, donc le menu. Le menu, on l'a fait. On l'a ici. Non, ça c'est lui. Et le menu, on l'a où en fait le menu? Ah, c'est là, menu. Ok, donc ça, on peut pas faire mieux là pour l'instant. Et la soupe, j'en ai pas pour l'instant parce que j'ai pas le niveau. Il faudrait que je fasse dans les recherches ici. D'ailleurs, les soupes à un moment donné. Donc là, c'est les musiciens, ça va être cool. Alors les musiciens, quand ils viendront, je vais les placer bah là. Je les placerai là. Excellent. C'est pas mal, hein, franchement. J'aime beaucoup. Là, on va déplacer ça. Voilà. Il me reste 109. Il faudrait que je fasse un petit truc décoration. Pour le prestige, ça va m'augmenter le prestige. J'avais vu une tête de cerf là. Pour la cuisine, je pourrais avoir deux coffres aussi. Un. Ça, c'est quoi ça en fait? Étagère à assiette. Il y en a combien? 4 x 2, 8. Ça fait. Il y a pour deux tables en fait. Donc on va en prendre une autre. Ouais. Parce que j'ai dans l'idée que ça suffira pas. Ah, on peut faire un clic comme ça. Alors, ce que l'on va faire, c'est on la prend, il n'y a pas de problème.
Voilà. Quoi, tu as déjà acheté. Et alors? Ça, on s'en fout si j'ai envie de l'acheter. Ah, la quantité maximale. Bon, bah d'accord, on n'a pas le droit. Ok, c'est bien. Spécial, lumière. C'est bien. Hein. Bon, je vais garder mon argent. Ouais, non, je vais garder l'argent et on va faire journée suivante. C'est quoi ça? Ah, prestige. Un client, voilà. 8 bancs, 4 tables. Donc j'ai 100 maintenant. J'ai 100. C'est vrai. Ah, je reçois les sous. Et du coup, je reçois les sous là. Et du coup, je peux acheter avec 17 ça. Ou alors, est-ce que je peux acheter direct? Non. D'accord. Non, là, oui, les sous, on les envoie à la caisse. Et les cibles là, c'est pour acheter ici, par contre. À un moment donné, avec 30 cibles, on va acheter 150. Et là, ouais, je vais acheter des carreaux. D'accord. Conseil de journée suivante. Allez, go Sportsush. Ok, musicien, ça va pas tarder. On va accélérer parce que j'ai pas le temps. C'est vraiment sympa. Au point de vue logistique, je trouve que c'est bien fait. Voilà, on sait qui fait quoi. La serveuse, c'est pas la même qui fait le bar. Donc ça, c'est bien. Le seul truc que je peux critiquer, c'est que le cuisinier, il fait pas grand-chose en fait. J'aurais aimé qu'on lui mette au moins une cuisine et qu'il fasse cuire les trucs. Voilà, ça c'est un peu. Visuellement, ça aurait été bien. Parce que là, faire comme ça, c'est pas terrible. Mais c'est pas mal, je trouve c'est pas mal. On va accélérer. On va se gagner une meilleure journée, je pense. On est à la recherche qui fait. On va voir les musiciens là bientôt. Ça fait venir du monde. Là, on voit que les chaises elles sont pas toutes pleines. Hein. J'ai des sous encore. Alors, tiens, on va prendre 308. Donc là, la recherche, c'est bon, j'ai les musiciens. Maintenant, je peux faire événements spéciaux ou à emporter. On va faire la cuisine à emporter aussi. 45. Voilà, cuisine à emporter, c'est pas mal. Donc, je vais mettre une deuxième serveuse ici quand ça sera fini. Elle s'occupera que de ça, que de l'emporter. Ok. Là j'ai 419, donc du coup je peux me prendre des musiciens peut-être, je ne sais pas comment ça se passe. Embaucher des musiciens, non? Est-ce que je peux faire ça? Barman, chef, non. Ok, alors comment ça se passe les musiciens? Jeu spécial, jeu. Y a pas de musiciens? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? Je sais pas. Et ça, c'est un instincteur. Ah oui, s'il y a le feu. Ok, et ça, c'est pareil, instincteur. C'est quoi ça? Un podium de musiciens. Ah ben voilà! Voilà, c'est ce que je veux. Oh là, carrément, putain, c'est. Putain, c'est quoi ce truc? Attends, il faut le tourner, je crois, X. Allez, on va rigoler. Ah, je l'ai mis. Je clique. Ah putain, c'est excellent. Je vais 50 € par jour ou alors 2, ils sont 100 € par jour. On va faire putain, 200 quand même. On va faire 1. Allez, go. J'ai pris 1 en fait. Faites pivoter les groupes vers la foule. Faites pivoter les groupes de la même manière que la rotation, non, vers la foule, c'est bien. Voilà. Donc là, le mec, il va arriver. On va jouer de la guitare. Ah, c'est fini. Ok. Donc, du coup, il viendra demain, je pense. Ok, d'accord. Client mécontent, il y en a? Non, personne. Ok, merci, au revoir. Donc là, on va prendre l'argent qu'il y a là. 82 du coup, merci. La bière, ça va, il en reste. Donc là, le musicien va arriver. Donc la vente à emporter, ça va pas tarder.
Du coup, je vais. Est-ce qu'il me reste des trucs là? Oh, le blé, il... ouais, on va recommencer à faire du blé parce que les mecs mangent du pain visiblement. Oh, les légumes là, non, il n'y a pas de soupe. Et la viande, elle est, à mon avis, ça marche pas parce qu'il n'y a pas encore de trucs pour le faire. Je vais voir le menu ce que je peux faire, mais à mon avis, le chef il a augmenté ou pas? Non. Ok, c'est quoi les menus? Toujours pareil. Soupe, y a rien. Ça marche. Est-ce que je fais venir la fille ou pas? Non, j'embaucherai après. Ça, c'est quoi ça en fait? Ah, ça, c'est pour construire. Ok, c'est ça. Hein. Ouais, les murs, les machins, les trucs. On va mettre. Donc là, il y a une fenêtre. On va mettre une fenêtre ici. Ah, il n'y a pas de... Ah, si, là. Combien ça coûte, la fenêtre? Oh, 100 balles. Bon, c'est pas grave. On va remarquer. Attends, réfléchis. Si je la mettais là, plutôt. Ah, je voudrais mettre une porte, là, pour continuer. Ou alors, je continuerai là-bas. Et ici, il y a quoi là? Ok. Non, je mets pas de vitre. Je laisse comme ça pour l'instant. Ouais, on va laisser comme ça. Il y aurait peut-être ici. Attends. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est quoi ça? Ah, ça se met pas là. Ok. Ça se met dehors. Ok. Mur inférieur, sol spécial, ok, d'accord. Bon, bah c'est bon, allez, commencez le tour suivant, c'est pas grave. Ah, le mec joue, bon, on n'entend pas, mais il joue. J'ai caché le truc. Peut-être qu'on va l'entendre quand il y aura le bruit là. Non, ça va. Accélérer. Alors chercher va se passer, je pense. On est à 52 minutes. Je pense que je vais embaucher la deuxième serveuse. Elle va faire les livraisons à l'extérieur. Mais après, j'arrête. Alors sachez que vous pouvez bien sûr étendre le truc. Ben, tiens, je peux acheter le sol, je vais attendre un peu. J'achèterai le tableau plutôt. Il y a du monde, hein? Payez comme ça monte. Ouais, c'est bon. Construisez un comptoir. Ah, pour le. Ah, la vente à emporter, d'accord. C'est ça en fait. Étape 3, acheter une table de d'emballage. Carrément. Alors, un comptoir. Il faut un mur avec comptoir. Un comptoir à emporter. Table d'emballage, ok. Ça roule. Donc, ce que je vais faire là, en fait, là, dommage, mais les tables là, ça va me gêner. Du coup, la vente à emporter, je vais la faire ici. Derrière, ouais, c'est moche, mais ouais, non, c'est moche. Il faudrait que je la fasse, ben non, mais là, c'est pire. Il faudrait qu'elle soit ici. Et ouais, mais là, je peux pas. Donc, la vente à emporter, pour l'instant, on va la faire là, c'est pas grave. Ça, on va le bouger. On va le mettre ici. Et ici, on va mettre le truc à emporter. Alors, attends. Spécial, table, cuisine, décoration, lumière, cuisine. Attends. Déjà, on va faire ça. Voilà. Ça, je crois que c'est ça, hein, le truc à emporter, là, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça.
Donc là, on va mettre ici derrière la cuisine emportée. C'est pas grave. Pour l'instant, je le mets là. Ah ouais, mais après, ouais, ça va être chiant. Je vais pas pouvoir aller plus loin. Là, on le met ici. Et la caisse, je la mets ici plutôt. Attends. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Oui, on va le mettre là. On va mettre ça là. Ensuite, attends. Hein. Ensuite, 2 secondes. On va déplacer le ça. On va le déplacer. Bon, je vais faire ça. Non, vous ne pouvez pas déplacer ça, c'est ça, tant qu'il est utilisé. D'accord. Bon, bah alors, fais ta vie. Vas-y, fais ta vie. Elle pourra. Ah, quoi que peut-être elle peut arriver. Hein. On va voir. Je vais voir si je peux le faire. Cuisine. Alors, attends. C'était. C'est quoi ça? Un truc d'emballage. Voilà, ça, on va le mettre là. Donc, elle va travailler là. Et ensuite, il fallait un espèce de comptoir. C'est ça? En place. Décoration. C'est ça. C'est quoi ce truc? Comptoir à emporter. Ouais, mais où? Oh malheur. Mais c'est pas possible. Attends. R? C'est quoi le truc? Attends, 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 attends. Ah oui, alors ça c'est dehors. Ah, c'est là alors. Attends. C'est ici alors. C'est ça, c'est ça. Ah oui, ça se pose devant, d'accord. Ok. Misère de misère. Ok, donc là les gens vont venir, je sais pas comment, mais ils vont venir là. Oh putain. Il faut que j'embauche. Hop. Ah non, Maria, non, elle le fait, j'embauche personne. Elle fait les ventes à emporter, la fille. Normalement, elle fait les ventes. Voilà, tu vois, elle le fait. Je vais juste simplement changer son truc de service. Attends. À emporter, elle est en deuxième priorité. Les boissons là, les nettoyages, elle le fait pas. Aliments, ouais. Hôtel, pas du tout emporté. Non, ça va, c'est bon. On va l'augmenter par contre. Elle est où la fille? Attends. C'est elle? Attends, elle est où là? C'est qui sert là? Je sais plus. Ouais, elle là, c'est ça, c'est Marie machin, non? Madeleine, ouais, on va l'augmenter. Parce que là, elle fait maintenant les ventes. Ok. Lui, il y a les clients en colère ou pas? Non. Et lui, le cuisseau aussi, on va l'augmenter. Parce que lui, il travaille aussi maintenant. Ah ben, de toute façon, il a demandé 22. Oh, faut pas rêver non plus, hein. 20. On va lui faire compétence pour les desserts. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on va lui faire faire ça. Plat principal, les soupes. Ouais, mais les soupes, on n'en a pas. Donc, vitesse, il faut qu'il travaille un peu plus vite. Ok, elle. Elle, c'est bon. On l'a augmenté, on va lui mettre 14. Tiens. Et du coup, l'autre va être jalouse. Du coup, on va l'augmenter. On va lui mettre 15. 4, non, 14, on l'augmente pas. Elle fait. Ah, elle fait emporter aussi, Maria? Alors, Maria, elle va pas faire l'emporter. Elle va faire ça en 3 fois. L'autre, elle se met ici. Les aliments, elle s'en occupe pas. Elle sert à boire, elle. Donc les aliments, on va la mettre comme ça. Nettoyage, oui, par contre, et les boissons à fond. Ça, c'est bon. Attends, est-ce que je peux lui grader quelque chose? La vitesse, c'est pour boire. Se prend des pourboires. Voilà, ce qui lui fera des trucs bien. Ok, on est bon. Là, il y a de la pierre et tout. C'est ça, hein, non? Oui, combien j'ai? 400 en pierre. Voilà. On va aller côté cuisine ici. Ah, on va le déplacer le truc. Il dit que je vais le déplacer. Alors attends. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux ça. Ça, tu le prends et tu le déplaces. On va le mettre. Oh putain, on va le mettre comment? Bah non, bah tu vois, finalement. On va être obligé de le laisser là. De toute façon, elle vient là, elle. Le musicien, il va être ici. Il va venir tous les jours, de toute façon. On a 341. Qu'est-ce que je dois acheter en... Alors, attends. Voilà. Qu'est-ce que je dois acheter?
Des fruits, ouais, parce que là il va y avoir un peu de monde, ça aussi. Pour l'instant les soupes, on n'y a pas accès. On va regarder le menu. Menu, il y a toujours rien de plus. Ouais, il faut débloquer. Les recherches. Alors du coup là emporter c'est bon, c'est fait. Du coup je peux faire les... Ah ben là c'est fini, donc maintenant il faut que je passe par les événements spéciaux, j'ai pas le choix. J'ai pas de... Comment ça c'est que c'est bloqué là? Ah, ok. Ah, il faut que je fasse les trois peut-être. Commencer les recherches. Alors, c'est quoi, des limonades? Ouais, vas-y. Fais les limonades. Ça me va. Et après, on va pouvoir le faire. Ok. Allez, c'est la dernière, dernière journée. Après, on arrête. Commencer la journée. C'est partoche. Donc, du coup, là, il y a quoi? Il y a marqué le truc et tout. Ok, c'est cool. Ouais. Sympa. Là, tu as la musique. Vente à emporter, putain, c'est excellent. Ouais, vente à emporter. Tiens, on va prendre une photo. C'est marrant. Oui, mais je peux pas l'acheter, il m'embête avec ça. Ah, c'est au fur et à mesure, non? C'est ça, c'est un peu chiant. Bon, on laisse, ouais, on verra bien. Ah, c'est cool. Sympa. Très sympa. Donc si je clique sur ça, il y a quelque chose. Non, elle va vendre à emporter un truc. Oh putain, oui, d'accord. Ah oui, c'est ce qu'on propose en fait. Niveau supérieur. Ah. Je passais au niveau supérieur en pain. Mais on peut pas mettre les prix alors du coup. Ah, des remises. Une remise plus élevée attire plus de clients. Est-ce que je fais une remise ou pas? Allez, je fais une petite remise. 5%. Ah oui, 19. Oh, c'est excellent. 19, 18. Donc ça veut dire qu'on va devoir commander là. Ouais. Voilà. Et voilà. Ok, je fais une remise là, en ce moment, donc du coup ça va y aller. C'est marrant. On va voir si c'est le cas, on va accélérer. 280 de prestige. Il me coûte que 50 la journée, ça ira, je pense. Ça, on peut prendre l'argent ici. Parce que j'ai débloqué, mais j'ai débloqué un truc. Acheter n'importe quel ingrédient 50 fois, d'accord, ok. Ça, je sais pas combien ça me coûte, alors j'ai pas envie de gaspiller, j'ai envie d'acheter ça direct, ça, je m'en fous. Ah, du coup, on propose de la limonade donc maintenant. Alors, attends, si je vais là, du coup, il faut que j'achète de la limonade alors. Baril de limonade, ouais. Tu vois, il est là. Acheter, voilà, j'ai de la limonade. Donc maintenant, je vais remplir. Et voilà. Là, on propose de la limonade maintenant. Alors, le prix, j'aurais bien aimé la bière un peu l'augmenter quand même. Hein. Je peux pas le faire là. Ah, je peux pas augmenter. Donc là maintenant, alors on va mettre, je pense, deux serveuses. Je vais prendre deux serveuses, ouais. Ici là.
Non, qu'est-ce que je fais? Waouh, remarque. Ouais, j'attends un peu, puis après je prendrai deux services. Ah, ça fait du monde, hein. Tiens, il y a un mois. C'est excellent. Je vais me mettre un peu dans l'ambiance. Et il appelle, il appelle, il appelle. Il a sifflé. Elle est un peu lente, elle peut être. On va quitter. Ouais, 14, 17, on va la calmer. Hein. 17. Et on va par contre, vitesse transport, on va augmenter. Le chef aussi, peut-être. On va lui mettre 21, on va l'augmenter aussi un peu. Du coup, elle, elle va faire la gueule, alors on va l'augmenter, voilà. Et lui aussi, là, le pauvre, il dit rien, là. Mais oui, tu dis rien, toi, mais voilà. Oui, on va te laisser à 20 aussi, allez. C'est bon. Par contre, verser les boissons. Voilà. Et voilà, donc on va arrêter sur ça, hein, sur cette fin-là. Est-ce qu'il y a des clients mécontents? Non, et voilà. Et c'est plutôt plaisant. Je vais continuer un petit peu, voir un peu ce qu'on peut faire. Et je ferai peut-être une deuxième vidéo. On verra bien. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, à bientôt. Salut, salut, ciao.